Tête de Alors, Fire. bienvenue à tous pour ce gameplay incroyable de menu GT5. Eh oui, aujourd'hui on traîne les menus. Vous allez voir comment utiliser le menu du jeu De façon de façon optimale. optimisée. Shadow, il allait viser le world record, hein, si tu lui montrais un peu à quoi ressemblait le jeu, mais. Là, tu lui donnes pas envie, tu Bah là, je suis juste en train de dégoûter les gens qui vont regarder le stream. Et comme ça, j'aurai pas de concu quand j'aurai réussi. bon, je pense pas qu'il y a tout le monde qui a envie de payer 50 € dans un SSD Sauf si t'en as déjà pour un, jouer. comme par hasard, sur Ouais, ta PS3. sauf si t'en as déjà un, ouais. Et que Mais je comme pense par pas que tout le monde a hasard, envie de t'es payer assez bon à 50 Gran balles. Turismo, tu veux. Non, j'aime bien mes lunettes Harry Potter. Ouais. Harry Potter. Oui, j'avais changé mes lunettes. Quand j'étais parti chez l'ophtalmo. Mais elles sont pas rondes tes lunettes. J'ai dit que... Bon, un peu. Oui mais non. Oui, mais non. J'ai dit que je vais changer un peu de style de lunettes, parce que j'ai toujours des lunettes carrées. Oh, j'ai Alexis qui croit au WR. On a un homme confiant dans mon chat. Pourtant Un homme c'est lui qui optimiste. ça c'est pourtant c'est lui qui ça fait 3 jours qu'il est là à te regarder échouer. Bah oui, parce qu'il y croit, regarde. Là, je pars et c'est parti. C'est la run. C'est lui qui devrait plus y croire parmi tous les viewers là. S'il y en a bien qui devrait commencer à avoir des doutes, c'est lui. Bah moi, j'ai des doutes que je regarde pas, toi. Le stream Digimon pour essayer d'invoquer Kazuya et son frère, regarde. Mmh. C'est le meilleur moyen de les faire arriver en vocal. C'est la méta. C'est quoi ça, hein? D'habitude. Je suis juste un chômeur, toi aussi, dis du coup. Comme Mini. Vous faites partie de la même team. Ah. Team Shoming. Non, moi je suis pas chômeur. Moi non plus. Le problème, c'est que quand t'es chômeur, t'as l'impression que t'es une poubelle parce que t'as des rythmes de vie. D'une poubelle. Il enfin, y a des gens, j'imagine, mais moi perso, je suis chômeur, hein. Mon rythme de vie ressemble plus à rien. Alors, c'est le mec qui va. C'est la Karma Funsteak, là, c'est au lit à 4 h du soir. 4 h du mat plutôt. Quand j'ai entendu dans le live que Funti s'est levé à 6h, 7h de l'après-midi, Ouais, voilà. et le J'ai des mec. parents, du Et coup, ça arrivera pas le ça, mec. mais. Et le mec, il dit il a réussi sa vie, il a un métier, un truc comme ça, ouais. C'est quoi comme métier? Bitcoins? Bah, tu sais, après, moi, si j'ai un métier qui me permet de me lever à 6 h, je m'en foutrais, Ouais, mais hein. enfin. Mais bon, ça m'étonnerait que. Ouais, le mec il se lève à 6h, tout ça pour après les streams, quoi. Donc bon. Le chômeur là, ouais, se lever à 6 h du Ah, soir, le mec, c'est un y a pas de niveau au-dessus là. métier. Ouais, Ouais, le mec y a pas de métier, il touche des aides, hein, c'est tout. c'est un niveau au-dessus là. Là, nous on est des noobs à côté. Hein. On est des nombres, hein. Bon, de toute façon. Yeah. Tu dis, je suis chômeur, il va te dire, oh my wamo, je suis délo. Nani? Et Macron, il va être là comme ça. Nani? Ah. Ok, troisième épreuve.
ici. Nickel. Nickel chrome. Oui. On atteint les 6000 Wumpa. Merci de Kaizoku. J'ai dit à moi. C'est vraiment trop chaud en fait. De faire une ascension fulgurante là. Sur le leaderboard de fin d'année de Kaizoku, meilleur viewer, mini waifu. Clairement. Ça part sur ce projet. Je dis ça, mais il y a d'autres streams où je suis en train de gagner masse de points là. Ok, les permis, on est bon. Ferme plus vite les points de stream que le MMR sur les tableaux de CTR. Aya. Je suis occupé, je t'écouterai plus tard. Nick. Nick. Le mec m'a envoyé chier. C'est vraiment pas gentil. Tiens, j'ai regardé la dernière vidéo de Mastu hier soir avant d'aller au lit. Waouh, t'as regardé quelqu'un d'autre que Tartin? Ouais, t'as vu. En même temps, là, pour le coup, c'était le Tartin Tailleur, hein, la vidéo. Mais j'ai regardé Tartin après Mastu. Ah, histoire de rattraper quand même. Parce qu'il avait fait une vidéo où il regarde Harry, des scènes d'Harry Potter, mais en toutes les langues. Mm-hmm. C'est un gros concept, voilà. Bon, allez, pas de tête à queue sur le carte, s'il vous plaît. Pas de tête à queue. Polymérisation. Elle est trop vite. Expecto patronum. T'as regardé la vidéo ou quoi? Ah, Shadow qui a la ref. Sur le chat. Moi j'ai pas vu la vidéo, aucune idée de... De la vanne. Ah bah t'avais des langues comme l'italien ou l'espagnol, c'était expecto patronum. Alors que normalement c'est patronum, t'as vu. J'ai vu ça cette nuit, ouais. Ah bah voilà, moi et Shadow à la même heure, on regardait la même vidéo en fait. Les grands esprits se rencontrent. Avant d'aller au lit là. Putain. Le pire c'était que il y avait un doublage, je sais plus c'était sur quel, je sais plus c'était quel pays. L'Ukraine, je crois. Le mec c'était plus un doublage, c'était littéralement t'avais le film dans le fond et eux ils faisaient traducteur, tu vois un peu le délire. Ouais. Tu vois Harry Potter et ensuite t'as le mec qui parle en Ukraine là. Traduction.
Jay n'était pas là. Il n'y avait aucun effort sur l'alignement. Ah non, là, clairement, il y avait... Ah ouais, non, mais l'Ukraine, c'était nappe, hein. On va pas s'étonner si le film a pas eu trop de succès là-bas. Non, mais je suis con! Là, c'est pas une pique, ce que j'aime faire. Oh, on se calme, on se calme, on se calme. Ce serait la dèche, imagine, si en France ce serait pareil, on reçoit les films et on devrait faire le doublage par-dessus. Tu regardes le film, en fait, t'as l'impression que c'est un documentaire. Voilà. J'ai pas oublié de passer le split. Après, s'ils ont l'habitude, je pense que voilà quoi. Bon, après, apparemment, le dernier sur les derniers films d'Harry Potter, ils avaient une bonne version sans les voix qu'on a pu voir dans la vidéo, mais bon. Donc, ça veut dire que c'est pas tout le temps comme ça, au moins. Juste les sous-titres. Tu sais, moi, je me dis à ce stade, quitte à avoir un doublage comme ça, pour t'en regarder tout simplement directement en sous-titré. Hein. Tu le regardes en anglais si tu veux le film, avec les sous-titres qu'il faut, plutôt que d'avoir un doublage par-dessus, parce que après, ça fait pas très propre, quoi. Alors qu'après, des sous-titres, ça passe. Attends, je suis où, là? What? Bon. Oh, je suis Kazuki! What the fuck? Il y a un Kazuki dans mon jeu. Le Kazuki! Kazuki, le chercheur! Bah, qu'il est beau. Forcément qu'il est beau aussi, il s'appelle Kazuki. Kazu fucking key. Alors. Ok, le NASCAR, on est bon. La défense de mon Digimon. Ce n'est pas terrible. Quelle légende! Ah, quelle grosse merde en fait! Il n'était pas aussi légendaire que ce que je pensais. Ouais, il est nul en fait. T'es éclaté, nul! Nul! Bon, allez. Ouais, t'es nul. Putain. Qui dans la colle, hein?
Oh, mais j'ai moins une soupe de ma gueule. Ils ont pu difficilement être aussi mauvais. Oh, ils sont bad en fait. Why are you melding, Soon? Soon. Ah, il y en a un qui tarie, c'est bon. Il tarie. Ah, non, en fait, il tarie pas. C'est semblant de carry. Toi, ce prank. Ok. Ouais, non, en fait, il carré pas. Mais quel caca! Ah, ils ont tous décidé d'être nuls. Hein. Maintenant, c'est Mini qui perd ses cheveux, en fait. Tente d'essayer de les entraîner, mais ils sont nuls, les mecs. Calixis dans le chat dit Jimon, petit monstre. Tu es un champion. Heureusement qu'ils l'ont changé, hein, cet opening, parce que. Oh, ça a marqué notre époque, quand même. Oui, c'était marrant au début, ouais. Digimon, petit monstre. Mais les mecs, quand ils ont fait l'intro, ils se sont dit on va faire ça, tiens, ça va être drôle. Là, c'est dans la vidéo de JDG où il parlait du fait qu'à un moment ils disent plein de mots aléatoires, genre qui ont pas forcément de sens, ouais, tu vois. C'est là où ils te font. C'est là où ils te sortent le Digimon, petit monstre. Qui te sortent le fameux digital. Oui. Bon alors les mecs, on va faire de musique sur Digimon, hein. Est-ce que vous avez des idées sur les paroles? Je sais pas. Bah Digimon, petit monstre, voilà, c'est tout. Attends, moi je suis un bâtard, je vais essayer de tricher un peu. Oh, mais t'es un glitcher. Parce que j'ai entraîné mes Digimon, c'était un résultat assez médiocre. Mais si on réessaye, hey, qu'est-ce qui me garantit que j'aurai pas un résultat genre ne serait-ce qu'un peu mieux, parce que c'est difficile de faire pire pour le coup. C'est très difficile de faire pire. Alors du coup, ah non, mais avec un entraînement comme ça, je réessaye, je suis quasiment garanti d'avoir mieux, en fait. Du coup... Je crois qu'Achak s'appelle Scandalette. Parce qu'hier il a fait un lapsus, il voulait dire que les sandalettes c'était scandaleux et il a dit les deux mots en même temps. What the fuck, scandalettes. Les scandalettes, Du coup tu dis ah bah tiens, je vais me renommer comme ça. Alors. C'est assez exceptionnel comme mot. Non mais c'est scandalettes là. Je pense que ça passe là. Oui, ça passe. C'est quand même incroyable comme notre cerveau, des fois, on veut dire deux mots en même temps et on crée un mot incroyable. Eh oui. Si tu veux dire, tiens, tu te laisses pousser la moustache, tu peux dire directement, tiens, tu te laisses poustache. Exactement. Ça, c'est parfaitement compréhensible. Tu te laisses poustache. Oh, je peux récupérer mon bonus sur chaîne de Kaizoku. Hop. Voilà. Waouh. Allez, troisième épreuve de la 300 SL. Celle-ci, je suis pas obligé d'avoir l'or, donc pas de stress. Y'a point S. Exactement. Je suis à combien là? Je suis à 18 minutes de run. Je suis vraiment pas mal pour l'instant. Oups. Moi je veux dire que l'opening de Digimon a quand même bien évolué. Parce que par rapport à ce que c'était. Tu veux dire qu'il a digivolvé? Ah ben clairement.
Clairement. Maintenant, on a Braveheart qui est quand même un putain de banger de ouf. Ah, tu veux te battre? Désolé, jamais avec les minus. Mais quel fils de pute. Quel fils de pute! Et donc, tu es virulent? C'est donc ça que ressentent les gens quand il y a des rangs cloques. Et nous avons... J'ai cliqué trop vite, mais que le bâtard. Oh, ça me casse les burnes. Oh là là, que de gros mots ici. Non, c'est pas un gros mot. C'est très beau les burnes. Je t'invite à manger mon pancréas. Alors. Ce film prévisible là, comme jamais. Hop là, bon, je carrément eu l'or, impeccable. La 300 SL c'est fait, maintenant on va pouvoir passer à l'épreuve. Un peu redouté, le deuxième NASCAR. Il est tellement habitué de son jeu qu'il est à 100 mètres de l'arrivée, il sait déjà qu'il a réussi. Mais quel homme! Mais quel homme! Jamais de la vie, par contre, il y a un mec qui se dirait ça sur ses terres. Quand t'es à 100 mètres de l'arrivée, tu te dis pas c'est bon, ma run elle est bonne. Non, 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 non. Yeah, nickel. Mais putain, je te melt. Qu'est-ce que j'étais bien dans mon lit. Il va y retourner se coucher. Je n'avais pas affaire à cette bullshit. Moi, les Indianapolis en général, c'est le plus dur. Ah, 720. Voilà, faut que je recommence. Ce ne sera pas une run parfaite. Ne sera pas une reine parfaite. Ah merde, il attaque deux fois en plus. Putain, je fais les mêmes erreurs que le monde encore, il se chie au même endroit. Hein. C'est bon. En espérant que ce soit les seules erreurs que je fais. Ouais, tu proposes du gameplay pour une fois. Oui. Et pas du menu. Oh là, normalement, je vais au bout de la run. Là, normalement, y a plus de... Normalement. Y a plus de chipotage. Ah, bah, j'ai une grosse guillemets sur le normalement. Bah, on sait jamais, tu vois. Je connais ma luck aussi, des fois. Bah, je veux pas m'avancer non plus.
Mais vu comment je suis parti, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai lancé la quatrième épreuve au lieu de la troisième, mais on s'en fout, je choperai les deux. J'ai trouvé une lame pourpre. On va voir. Quel... Oh, équipement. Hop. Digimon ne peut apparemment pas être équipé d'une lame pourpre. Je suis donc triste. Tu es attristé? Do you have the sun? We have the sun. We have the sun. We have the sun. Alors, voyons voir. Do you have the Samsung? Je veux le combattre ou pas? Voyons voir. Ah, je sens que je vais me faire éclater. Comment demeurer? Oula. Et c'est passé. Ok. J'aurais juste un peu chié à la deuxième épreuve. Je viens de me suicider. On va mourir. Bien joué à toi. GG mec, on applaudit. Je savais pas que ce con il voulait qu'on se tape, du coup j'ai mourir. Crash déjà du sang. Parce que ce jeu est horrible. Ah oui, il m'a one shot, ouais, bon, GG, hein. Well played. Well played, you were Peter, hein. Je suis en train de perdre mon temps comme un con, c'est incroyable. Je peux utiliser mon attaque ultime. Ouais, non, bon, il est invincible. It's impossible. Il m'en a survécu. En plus, il soigne. Ouais, bon, bah, well played, en fait. Qu'est-ce que je suis supposé faire? Il est plus fort que moi, il régénère sa vie, en plus. Mais oui. Et bah, tu... Tu te mets à quatre pattes et tu tends ton fiac. Fiac-ed. Wow, wow. Reste là, reste là. Ah, ça ressemble à rien à la fin. Heureusement que le cut assure l'or. Oh mon dieu. Niveau 14, on est bon. On l'a fait. Le GT World maintenant. GT World, The Waludo. The Waludo. Oh là, 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 oh là. Kif Timothée, you can't do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday is a tomorrow. Non! Oh, bah, il est mort. Femme Smic. Petite corvette avec la couleur Velocity. Eh oui, tout est lié.
plus mes heals ils sont nuls, putain. Et j'aurais des heals potables, je crois que j'aurais pu gagner en fait. Maintenant on va améliorer. On va booster tout ça. Coup critique dans la tronche. Pour bien m'achever. Non. Bah, installer en fait. Échappement. Les boss, tu peux pas les endormir dans le jeu de merde. Oh mon dieu, on a survécu. Il a survécu, mais. Wow! On est mort anyway. Oh. Dans le jeu, pour être sûr que les boss soient pas trop faciles, ils ont fait que tu peux pas leur faire d'altération d'état, c'est cool. Ah! C'est fair play, cette merde. Voilà un jeu fort bien balancé. Ce que tu veux, mais toi tu peux rien faire du tout. Toi t'es juste un caca. Bon, c'était une très mauvaise idée de l'attaquer. Je savais pas qu'il voulait se battre aussi. Alors on est parti. Toujours la même line-up, on est bon. La 350Z, la Motulothèque, la Epson. Ok, impeccable. On a une demi-heure, 31 minutes de run. On a trois courses à faire. Et les deux dernières courses, on les skip, on lance que le début. On est largement dans les temps pour faire quelque chose de bien. Faire quelque chose de bien. Et oui. On y croit, on y croit. Je vois pas de Jana Honen dans le podium là, ça pas du tout. Sérieusement, arrêtons de faire les cons. Arrêtons de faire le sgégouze. Eh oui. Ce n'est pas bien d'être un sgégouze. Ici, on veut être des chads. Et faire du marshal. 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 Je récupère le pot du sur la chaîne. Wow. Plus 50 points. Bon, donnez-moi un entraînement potable, s'il vous plaît. Allez, Guimon, you can do it, Guillaume. Ah, bon, Guillaume, c'est un caca, putain. C'est fait exprès, en fait, pour qu'il chie. C'est... incroyable. Ouais, ben négocier tout ça. Mel.
Ouh. Ça a failli partir en couille. Failli n'est pas parti en couille. Ouais, bah j'ai encore failli. Oh putain, voiture qui. Il y a une différence entre être et ne pas être. Eh oui. Be or not to be. Ou faire du B2B. Attends. B2B aérienne. Seuls les gens qui ont joué à Dofus dans leur vie savent ce qu'est une B2B aérienne. C'est pas un vêtement super rare, un truc comme ça. Non, c'est juste une espèce de mob nul qui ressemble à une apparence de douche. J'aurais essayé d'avoir la ref, au moins. Il te fosque. Bon, dernière tentative. Je sais pas si les entraînements sont RNG ou si le truc est juste destiné à se chier. Mmh. Is your destiny. Digimon, petit monstre. Tu es un sorcier. Ah non, c'est pas ça. Tu es un sorcier. Gulmon. Nani. Expecto patronum. J'ai un truc dans la poche. C'est un mouchoir qui est passé à la machine à laver, je crois. Mmh. Je suis celui qui, des fois, retrouve son pantalon avec un mouchoir dans la poche qui est tout dur. Parce que il est passé à la machine à laver. Ça m'est arrivé avec autre chose que des tickets de caisse. Ah yes, les tickets de caisse tout dur. Bordel, il se transforme en bloc, tu sais. Ok. T'as l'impression qu'il est passé au micro-ondes. Bon, ça va, ce sera jamais pire que les mouchoirs décomposés dans ta poche. Cela, c'est. Ça va, ça m'est pas arrivé depuis des années, mais. Ah, quel plaisir. Quand je vidais mes poches dans la salle de classe, là, avec plein de morceaux de mouchoirs. On était quelqu'un de très respectueux à l'époque. Je pense pas que c'est beaucoup évolué. Mais bon. Bon. Bon, le Nurb. Guillaume. Je suis à combien? Je suis à 38 minutes, ok. Mon vieux pote Guillaume. Il va faire de son mieux. Là, c'est le moment pour Guillaume to shine. Time for Guillaume. Oh, j'ai vraiment aidé la Epson. Oula. Oh, essaye de rouler proprement, s'il te plaît. Hein. Oui, désolé. Non, mais je voulais tenter vite fait un petit coup pour me lancer. Mais...
On fera ça après plutôt. Le dire, bon, vas-y, je suis contenté de foncer. Regarde-moi ce piloteur. C'est pas étonnant qu'il casse des culs. Ok, bon, ça c'était moyen. Mais il a su garder le contrôle. Eh oui. Je sais que dans le WR, sur ce circuit, le mec s'est retourné à un moment. Il a fait un petit process. Ah yes. Toi, si j'en fais pas, toi, je peux regretter un peu de temps déjà. Oui, même si tu broutes les murs comme tu viens de le faire. Oui, ça ce n'est qu'un détail. De toute façon, là, j'ai de l'avance sur lui déjà. Faut juste que je maintienne et que je fasse les bonnes manips après sur les autres courses. Oula, c'est tellement sinueux que ça part trop en couille. T'as raison, on roule comme un chacal. Oh, je reste même pas dans le carrousel. Routage de mur. T'as cru que t'étais sur Hot Wheels ou quoi? Oui, oui, bien sûr. Parce que sur Hot Wheels, j'ai vu que c'était méta de manger les murs. T'es bien renseigné, mon petit. Bah, tu sais, sur le serveur des vélos champions, t'en as qui s'amusent à faire des world records sur des vieux jeux de Hot Wheels. Les mecs, ils mangent les murs, ils font des 360, et apparemment, ça fait des world records. Genre... apparemment, ça fait des double. Comment dit ça? Apparemment, c'est méta de faire des 360 sur certains jeux. Mais écoute... La façon dont t'as décrit ça, c'est vraiment genre comme si t'avais dit tu prends de la farine et des tomates, apparemment ça fait des pizzas. C'est ça. Tu prends ça et ça et hop, voilà. Mais waouh. Wow. Je suis désolé, dis-moi sur quel jeu, à quel moment c'est méta de faire un 360 en fait. Dans les jeux où en l'air tu récupères du boost en faisant des figures. Oui voilà, ok. Certes, mais c'est clairement pas ce qu'ils font. On sait pas. Parce que dans les autres jeux, ils font en sorte d'atterrir à l'endroit. Eux non, pas du tout. Eux ils font des 360 au sol, t'as vu. Putain. Imagine le jeu où tu... Scandalette. Mais quoi, il est là. Scandale et des scandales et ça fait des scandalettes. Ah oui. Putain.
Bon, c'est long pour une course avec un seul tour. Hein. Ah bah mec, 20 km la course en fait. Je vais repartir sur Digimon, hein. C'est bon, tu m'as saoulé. Ah oh, mais mec, j'arrive à la fin là en fait. Ah merde, putain, mais... Ah, par contre, vu que j'ai pas le son, les rapports, je les passe n'importe comment. Ah, tu joues sans son, là? Oui. Pas au petit, hein. Pas au petit, en vrai. Pas du tout au petit. Mais ça passe. Bon, j'ai quoi? J'ai la 350Z et la F5 qui sont devant, ok. Donc, faut que j'envoie ces deux-là au fond. Ah oui, 100 points, putain. Moi j'aimerais bien hein, qu'on retourne à l'époque où on fait 10 points quand on fait premier sur CTR. Bah le jeu. Ça, tu gagnes 4 courses, t'es quasiment sûr de gagner. Ah merci. Bah ouais c'est ça, en fait si je fais 4 courses premier, je peux en skip une sans aucun souci. Sauf que je peux... Là la méta c'est d'en faire 3. Et de faire en sorte que ceux qui font deuxième et troisième, de les envoyer au fond pour pas qu'ils fassent 2 points. Et comme ça, je pense qu'il y a une en plus. Mashallah. Donc là, la Epson bleue qui est troisième et la 350Z qui est devant, on va les envoyer au fond. C'est des strats de Marshall. Hop, au revoir. Et en vrai, je bah voilà, en trichant un petit peu. Je pense que ça va déjà être pas mal. Là, ils sont bottom 2. C'est bien, Guillaume. Continue. Voilà, donc la méta sur ce jeu, c'est bien de restart jusqu'à ce que ton Digimon il fasse putain de merde. Ah vraiment, t'as réussi à en avoir... Ouais. Ça finit pas marcher. Ouais. Putain, ce jeu de merde. C'est donc bel et bien RNG ce caca là. Oula, dommage, mais ce n'est pas grave. Attention Alexis, il a dit que c'est banni de ranked ce que tu fais. Hein. Alors, ça tombe bien, je joue en mode solo.
Ah, deux fois que je fais ça. Putain, je troll, je troll. Je crois que la Artan Nexis est passée devant la motule. Sûrement elle que je vais devoir poutrer après. Je perds quelques secondes quand même hein, sur les courses, mais bon. Ça va, on approuve l'entraînement de Vroïc. C'est beau. Enfin, un résultat potable. Pas parfait, mais potable. Parce que bon, si je restart jusqu'à ce que j'ai un résultat parfait, je suis encore là demain. Et notre ami Guillaume a eu le résultat parfait, lui. Pourquoi pas toi, Guillaume? Le meilleur de ce pays. Alors. Changer de Digimon. Non, j'en ai pas d'autres. Carte Digivolve. Tiens. Ah. Bon, je finis ça en bon tour au moins. Ok, on a fini toutes les courses. Maintenant, c'est les manips sur les deux dernières. On a 52 minutes. On est bien, on est bien. C'est quoi, c'est la Arta à 165 et la 350Z? La Arta et la 350Z, on les poutre. Ok, et là on a juste la motule à 2 ans 10. Mais attends, mais sachant qu'elle démarre deuxième, je peux quitter direct. Impeccable. Bon, le sub 55 il va être chaud, mais... Ouais, t'as quoi, 56 minutes peut-être? 55 et quelques. On est au bout de la run. Et voilà, c'est win. Maintenant, faut juste aller dans le menu principal et choper la cinématique de fin. Ça y est, il a fait une grosse run incroyable. Et oui. Est-ce que tu vas essayer mieux ou... Je pense pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Allez, 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 allez. Allez, le sub 55, on y croit. 54, ça fait combien exactement? 54 minutes et 56 secondes. Eh oui. Bon, elle fait chier la run, hein, quand même. Mais au final, je fais un temps très, très, très correct. Il y aura eu plus de temps de menu que de gameplay, mais bon. Oui, alors, ça, c'est un détail. Plus important... La souple voir encore... C'est de voir... Et ouais, merci aux 3 viewers les plus fidèles qui ont été là, qui m'ont soutenu jusqu'au bout. On n'oubliera pas les insultes évidemment qui ont eu lieu. Casse insultas.
Voilà, j'étais présent pendant ce world record. Ouais, voilà, tu as été présent au vocal, tu as fait le mongol et créé du content. Tu as animé cette vidéo. J'étais juste en train de tricher sur mon jeu de merde, mais tout va bien. Ah ouais. Ah. Putain, le sub 55 est dépassé, incroyable. Incredible. It's amazing. Thanks Rota for all the machine you took me. You give me. Le mec avait le WR. Je lui ai pris 4 minutes et 2 secondes. À mon avis, on va pas voir des gens tôt. J'espère. Faut pas parler trop vite. Si, parce que moi et Alexis, là, on se met tout de suite au world record, là. Allez-y. On a déjà nos PS3 de lancer, t'inquiète. Allez, ça part. J'attends nos concus. Ah là 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 là. Bon, bah maintenant, bref, alors que je vais couper le stream, faire le moment fort et upload et tout ça. Merci pour ceux qui ont suivi. Au revoir et à vite pour un autre contenu, un autre speedrun. Je sais pas ce que je vais faire maintenant, mais au moins ça c'est fini. Du tout, tu vas juste aller faire des FFA sur CTR et te faire éclater le cul, rager, mourir de cringe. Ok. Putain, j'ai pas l'intro de la fin. Bon, tant pis. Je coupe comme ça.